a personne à l'extérieur. On dirait que la mission de Bricken n'a rien donné. Jade organise une réunion dans la tour. Ce sera enfin l'occasion de voir Bricken et de confirmer son identité. Et ses traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs, et les hommes de Rai ont piégé Bricken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris ? Mais enfin, tu tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Aie l'air sûr de toi. Salut, Bricken. Lena ? Peut-être qu'il vous écoutera, vous. Salut, Jade. C'est qui, ton ami ? Kyle Crane. Écoute, Bricken. Il ne faut surtout pas que tu retournes là-dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane ? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. Sans rire. Ne prends pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas... Crane se débrouillera. Il sera au bon endroit. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour, pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Eh merde. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu. Bonne chance, Crane. Jade, t'as une minute ? Bien sûr. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Bon. Il y a autre chose dont on doit parler. Bricken a une méchante blessure. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête, et maintenant il se met à avoir des crises. Et moi je n'ai plus de l'Oratrax. Plus personne doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Oui, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça ? Que veux-tu que je fasse, Lena ? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique. Alors il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes. Et il peut être... assez insistant, c'est le problème. Alors, ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps ? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Aux dernières nouvelles, Gazi habite sous le pont routier, et il ne lui parle pas de la mort de sa mère. Ce n'est pas sûr qu'il le comprenne. C'était du joli boulot, 31. Crane, c'est ça ? Hé, t'aurais une clé en rab pour la 202 ? Quel est le problème ? Il se passe quelque chose là-dedans et la porte est verrouillée de l'intérieur. Thank you.
Dawood doit encore avoir plein de trucs dans sa boutique. Sans doute un peu de tout. Mais sûrement des trucs qui nous seraient utiles. Quelqu'un d'autre. Faut ouvrir cette porte. C'est ce que j'essaye de faire. Bahir, ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Bahir s'est enfermé dans sa chambre. On l'a entendu crier. Si ça se trouve, il a basculé. T'as entendu ça? J'arrive pas à ouvrir la serrure. Tu veux essayer? Vas-y, essaie. Vas-y, essaie. Doué. Bahir, t'es là? Aide-moi! Qu'est-ce qui va pas? J'arrive pas à bouger. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. T'es en train de basculer? Non. J'ai pris de l'antizine et ça a déclenché la douleur. Le flacon est par terre. C'est de la camelot, ce truc. Quoi? C'est une contrefaçon, t'as eu ça où, Bahir? Par pitié, j'ai besoin d'un médecin. Dis-moi d'abord qui t'a vendu ça. Je ne peux pas, j'ai promis. Ce gars me rend service, il m'apporte des trucs de l'extérieur. Comme de l'antizine frelatée, c'est ça? Les gens pourraient en donner à leurs gosses. T'as envie qu'ils vivent la même chose que toi? Non, bien sûr que non. Alors dis-moi qui te l'a vendu. Youssouf, c'est un des éclaireurs. Il est bizarre, il vit sur le toit. Je vais chercher le docteur Lena. Dépêche-toi, s'il te plaît! Y'a eu quoi ici? Tu l'as tué? Il a pas basculé, mais il a besoin d'un médecin. Je croyais qu'il était en train de se transformer. On devrait quand même garder un œil sur lui. S'il a besoin d'un docteur, tu devrais aller le chercher. Tu devrais jeter un œil à ça. Le numéro de l'eau n'est pas bon. C'est un faux. Il y a quelqu'un au 20e qui l'a pris et maintenant il est coincé. Aman, va là-bas. Dépêche-toi. Comment il s'est procuré ça?
Auprès de Yusuf, c'est un des éclaireurs. Il ne peut pas l'avoir produit ici. Quelqu'un a dû le lui fournir. Je sens que je vais avoir une petite discussion avec Yusuf. Le plus tôt sera le mieux. Ne lui fais pas de mal. Contente-toi de lui parler. Yusuf ? Bienvenue au grand bazar de Yusuf. Ce qui est introuvable, on le trouve chez moi. J'ai absolument tout ce qu'il te faut. Je cherche de l'antisine. Voilà une surprise. Mon ami, c'est ton jour de chance. Non, Yusuf, c'est toi qui as de la chance. Parce que je vais t'offrir l'occasion d'être honnête et de me dire où t'as récupéré la saloperie que t'as vendue à Bahir. Bahir ? Bahir, tu dis ? Je suis censé connaître un Bahir ? Il a failli mourir à cause de l'antisine frelatée que tu lui as vendue. Frelatée ? T'en es sûr ? Elle est pas bonne? Je viens d'en acheter 10 flacons à ces types, je l'ai payé cher! Quel type? Eh ben, c'est un peu délicat. Quel type, Yusuf? Je commence à perdre patience. Il y a un bâtiment à côté de la pharmacie. Quelques survivants vivent à l'intérieur. Je sais pas combien ils sont, j'y suis jamais rentré, moi. Ils ont des médicaments. Certains sont des vrais, ils viennent sûrement de la pharmacie, hein. Mais ils préparent aussi leur propre truc. Mon contact s'appelle Bento. Tu vas brûler tous les flacons qui te restent. Et ils m'ont coûté un paquet! Ça te coûtera bien plus cher si j'apprends que tu continues à fourguer cette saleté.